Hello les co-créas, c'est Moira et j'en suis au jour 25, donc au quart de mon défi. C'est l'heure d'un premier bilan, du coup. Enfin, c'est bien faire au quart, à moitié ou trois quarts, ça fait un petit peu trop rigide, mais bon, enfin, c'est un bon repère quand même. Alors, qu'est-ce que je peux en conclure jusqu'ici? Bah, déjà que je suis contente d'être arrivée à mon jour 25. Parce que je suis pas toujours du genre à finir ce que j'entreprends, parce qu'à un moment donné, pas parce que j'ai, enfin pas parce que je perds l'envie en fait. Pour le moment, ça va, l'envie est là. Surtout que je vois beaucoup de changements. Au niveau de mes intentions, alors première constatation, il y a certaines qui commencent à se remplir. Je suis effectivement bien dans la maison où je suis. Je sais pas, je me sens bien comme si j'y avais habité en fait toute ma vie. C'est rigolo, hein, mais j'ai l'impression que la maison elle est à moi, qu'elle m'attendait. Voilà, c'est exactement ça. Je suis moins dans, je sais pas même pas que je suis moi, je ne suis plus du tout dans l'autoflagellation. Il y a un an de ça, j'arrêtais pas de me dire au moindre petit couac que j'étais nulle, que je ne servais à rien. Et là, ça ne me vient même plus à l'esprit. Bon, je vous avoue que des fois, j'ai des émotions qui viennent, que j'ai envie de pleurer quand j'ai une émotion forte ou quelque chose comme ça. Mais je ne me sens pas nulle. Voilà. Et j'ai appris, enfin, j'apprends petit à petit à aller au-delà de mon besoin de perfection qui me vient en fait de mon enfance. Hein. Je sais d'où elle vient. Mon père qui me poussait tout le temps plus loin. C'était genre, j'avais 10 sur 10, non, il fallait avoir 11 sur 10, enfin, vous voyez le genre. Hein. Du coup, je cherche toujours la perfection, et là, ce matin, j'étais fière de moi parce que bah, j'ai suivi une séance de gym sur Direct 8. Moi, j'aime bien changer, donc là, du coup, au lieu de chercher sur Internet, j'ai mis carrément la télé. Et à un moment donné, je voyais que je n'arriverais pas à faire les mouvements aussi vite ou de la même façon, puis je me suis dit, oh, l'important, c'est que je le fasse. Et que je fasse au mieux, et pas que je le fasse parfaitement. Mais c'est normal, je suis pas une sportive, donc je vais pas risquer de faire tout de suite. Donc voilà. Au niveau de mes relations avec mon conjoint et mes filles, avec mon conjoint, ça tout se passe bien. Avec mes filles, des fois, je sais pas, je m'énerve. Et je sens que c'est pas bien. Donc du coup, j'essaye de me pardonner. Enfin, j'essaye pas. Je me pardonne et j'essaye d'aller de l'avant. De me dire que bon, je peux pas être la maman parfaite non plus. Donc du coup, je fais un maximum pour corriger certains de mes comportements. Je m'excuse auprès de mes filles si, par exemple, j'ai crié alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est pas facile pour des petites comme ça de se faire comprendre. Et moi, je dois faire un effort aussi de mon côté. Donc, la communication bienveillante, c'est pas évident, évident. Voilà. On n'est pas toujours parfait à ce niveau-là. J'aimerais tendre quand même à une certaine forme de perfection et que ça se passe beaucoup mieux, que tout coule. Mais sinon, je suis vraiment proche, même certains diraient trop proche de mes filles. Elles sont très, très fortement attachées à moi. Et du coup, je fais un maximum pour leur laisser un moment seul avec leur papa, comme ça, et je leur dis à quel point c'est important de passer du temps avec un papa, elles ont, surtout qu'elles ont la chance d'avoir un papa présent, et un papa quand même aimant, rigolo, enfin, qui est là pour elles, quoi, donc j'essaie un maximum qu'elles soient pas trop attachées à moi, enfin bon, et ça va laisser la période et un moment où elles iront plus vers papa, et là je serai en train de pleurer toutes larmes de mon corps parce que je me sentirai abandonnée, mais voilà. À part ça, bah, j'accueille l'abondance dans ma vie. Bah, oui, je le dis tous les jours dans mes vœux, mes demandes à l'univers. Les demandes, j'en fais de plus en plus, mais je les affine au fur et à mesure, en laissant plus de champ large. Je ne vais pas dire que mon compte en banque est fourni, mais nous avons assez pour le moment. Enfin, on vit bien. Voilà, donc tant qu'on vit bien, c'est le principal, tant qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis, je suis étonnée de voir au fur et à mesure tous les réajustements que je fais pour essayer
de dépenser le moins possible, d'être moins ancré dans le matériel, de faire avec ce qu'on a, de récupérer les trucs. Là, en fait, je suis en train de récolter tous les rouleaux de papier toilette vides. Et j'ai vu qu'on pouvait faire plein de trucs avec, enfin, tous les trucs comme ça. La création commence, voilà. Niveau spiritualité, ça avance, j'ai des prises de conscience, et puis rigolo, mais pour le jour 25 de mon défi, petit cadeau, je me suis mis au lit, il était presque minuit, et juste au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, sifflement et pouf, des petites voix, j'entendais d'abord une voix masculine au vent, et après j'entendais plein de voix différentes. C'était rigolo. Et puis ce matin, j'ai fait une méditation pour rentrer en communication avec mon guide. Et puis, lui, il rigole pas. Hein. Je vous avais dit que dans un billet, j'avais écrit que j'avais fait une rencontre avec un guide qui avait l'air assez militaire. Ouais, c'est à peu près ça. M'étonne pas que je suis plus en train d'organiser ma vie maintenant. Il arrivait juste au moment. Et alors, la dernière intention, par contre, qui se remplit pas trop bien. C'est au niveau, je disais, je m'incite jour en jour. Depuis que je suis arrivée ici, je me suis lâchée au niveau nourriture. Pas spécialement pour les plats, parce que je mange raisonnablement, mais c'est le grignotage, quoi. J'ai recommencé. Et ça n'a pas coupé, quoi. Depuis 3 semaines, j'ai pris 5 kilos. J'ai pris mon courage à main, enfin mon guide m'a dit, monte sur ta balance. Il n'arrêtait pas de me mettre cette idée fixe là en tête. Et moi, je repoussais, je me mettais des œillères. Et j'avais bien senti que j'avais pris du poids, mais donc du coup, je fais machine arrière maintenant qui c'est possible tout de suite. Comme ça va vite rééliminer ce que j'ai le trop-plein que j'ai pris, parce que c'est dû en fait, à tous les biscuits et gâteaux que j'ai pris. Et puis, il va falloir que je prenne des décisions. Là, je suis tombée sur quand même pas mal de vidéos. Déjà, j'ai repris une activité physique. Là, ça fait quand même 2 fois sur la semaine. C'est bien. Là, j'ai fait la gym ce matin et j'ai fait la première demi-heure. Après, il y avait encore une séance, mais juste une demi-heure, c'est déjà bien pour recommencer, pour pas me décourager. Je sais que j'ai besoin d'une activité physique qui sera plus douce et plus en accord entre le mental et le physique. Il faut vraiment que je teste entre yoga, le qigong, des trucs comme ça, voir ce qui me correspond le mieux. Bah, le yoga, j'aime bien, mais des fois, comme je ne suis pas souple du tout, mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Hein. J'ai jamais su toucher. Enfin, moi, quand je m'abaisse pour essayer de toucher mes orteils, en fait, non, j'arrive aux genoux. Hein. J'arrive pas à aller plus bas, ça me fait vraiment mal. Maintenant, c'est un truc qui se travaille, mais bon. En fait, il va falloir que j'aille au-delà de mon désir de faire parfaitement les trucs que je vois et de faire en fait selon ce que je sais faire et puis de m'améliorer au fur et à mesure. Très fort, je pense comme ça. Je repense donc en ayant regardé une vidéo d'Ophélie qui disait qu'elle avait été touchée par le quatrième accord toltèque qui était fait de son mieux. Et ben voilà, je vais faire de mon mieux. Et puis, je vais revoir mon alimentation. C'est vrai que j'ai une période où, vu qu'on a eu très dur financièrement, cet été, moi je me privais de beaucoup de trucs. Je me suis privée notamment de viande, parce que voilà, c'était pas un grand sacrifice pour moi. Pourtant, j'étais une grande carnivore quand j'étais plus jeune et maintenant, je m'en fous un peu. Et c'est vrai que j'avais perdu drastiquement du poids, donc c'est que quand même, je vais pas dire que je vais devenir végétalienne, même si je sais pas, l'idée commence à faire peut-être son chemin. Mais je sais que surtout, il faut que je fasse. Il faut que je suis droguée au sucre, mais vraiment droguée. Alors, quand je tombais sur des vidéos où ils expliquaient les méfaits du sucre raffiné, comme quoi c'était une drogue pire que l'héroïne, en fait, je le crois parce que je suis vraiment en manque quand je m'en passe. Donc, voilà. Et pourtant, des fois, je sais m'en passer. Cet été. J'ai pas mangé un seul carré de chocolat, j'ai mangé plus de fruits, plus de légumes, mais voilà. Mais bon, j'arrive à la période d'hiver où je sais pas, je reprends toujours 5 kilos, mais là j'ai décidé que c'était fini. Surtout que j'en étais à 5 kilos de mon objectif de poids, pour retrouver mon poids pas idéal, mais un poids auquel où j'étais bien. Et là, peut-être je vais me retrouver à perdre 10. Donc ouais. Bon, je vais essayer de faire court pour le reste parce que là j'arrive déjà à 10 minutes. Juste une petite constatation, j'ai relu, j'ai gardé en fait
mes intentions de saison 1 et je suis en train de me rendre compte que mes intentions de saison 1 sont en train de se prolonger en fait dans ma saison 2. Je les avais complètement oubliées, laissées de côté, et comme quoi ben, le lâcher prise en fait, m'a amené à tout ça. J'avais notamment rattravaillé les chakras, etc. Cœur-gorge, et c'est fait. Je me dis d'amitié avec quelqu'un de sincère. Moi, j'ai mis dans mes vœux de me lier avec une belle âme. Vous verrez ce que ça donne. Mais là, j'ai des contacts assez forts, des fois avec certaines personnes. Vous verrez ce que ça donne. Et à l'issue de ces 100 jours, je trouve ma voie, ma mission de vie. Et là, je suis en train d'y réfléchir. Et puis, j'ai eu des idées fixes hier qui m'étaient venues. Et donc, en lien avec mes oracles. Alors là, je voulais en venir donc pour la fin de mon bilan. Je me dépêche, pour que ce soit pas trop long. À tous les outils que j'ai mis en place. Alors, premier outil que j'ai mis en place, c'est les checklists. Et je crois que je vais les changer pour autre chose. Parce que c'est très bien, ça m'a aidé. Mais c'est trop rigide. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire. Si je pense au bullet journal, mais faut que je le fasse à ma sauce. Parce que c'est trop rigide, on va le faire. Moi, j'ai besoin de bohème. Enfin, ouais, je suis quelqu'un de bohème, donc il faut que ça se retranscrive. Qu'est-ce que je voudrais mettre d'autre en place du coup? Bah, déjà, je voudrais changer mon alimentation. Donc, on va commencer petit, puis on va faire des ajustements au fur et à mesure. On va faire de son mieux, voilà. Puis on verra les résultats. J'ai repris du sport. La méditation, alors là, sincèrement, pour ceux qui ne sont pas mis. Je vous donne mon expérience pour ceux qui se disent que c'est pas pour eux. Moi, je pensais que c'était pas pour moi non plus parce que dans ma tête, c'est le bordel. Hein. Sincèrement, je pense non-stop du matin au soir. C'est pour ça que j'ai autant de mal des fois à trouver le sommeil. Et là, je dors pas énormément. Parce que généralement, je vais me coucher entre 11h et minuit et je me lève à 5h du matin la plupart du temps. Quand je suis pas réveillée par l'une ou l'autre de mes filles la nuit, ce qui arrive parfois. Et je peux vous dire que je m'endors bien. Assez vite, je suis plus calme, plus détendue, j'ai moins tendance à, s'il y a une contrariété, à m'énerver direct, et je médite quand même assez facilement maintenant. C'est une pratique que j'ai depuis un an maintenant, et ça m'a fait beaucoup de bien, voilà. Et ça m'a ouvert pas mal de perceptions aussi, donc que du bénéfique. Donc, méditation, pour moi, le dernier outil, mais qui est un de mes outils de communication avec mes guides, du coup, parce que c'est plus facile. Puis au moins, ils ne doivent pas insister avec d'autres signes que je ne comprends pas, parce que je ne les comprends pas toujours, et je pense que des fois, ça doit les énerver. Qu'ils se disent, mais elle ne nous entend pas, mais c'est pas possible. Et c'est des oracles. Et du coup, c'était rigolo parce que hier, je ne comprenais pas trop les cartes que j'avais eues. Et finalement, donc, je lui ai fait un feedback. C'est ça qui fait que je vais refaire un journal de tirage pour faire une page sur le tirage du jour, ce que je ressens et ce que j'en ai conclu le lendemain, pour laisser une petite case, parce que j'avais fait des fleurs séchées et j'ai été replongée en fait, j'ai fait du tri dans des photos et tout, parce que l'ordinateur, enfin notre ordinateur, au départ c'est l'ordinateur de mon homme, mais c'est le nôtre maintenant, les disques durs ils sont pleins, mais archi pleins, et j'ai fait des tris du coup dans les photos, et je suis notamment tombée sur les photos de mon chat qui est décédé, et j'en ai gardé, mais. Celle qui ne me touchait pas, où je trouvais que c'était pas lui, j'ai fait le minimum, quoi. Donc je me rends compte qu'il faut que je trie des choses encore, que je laisse aller en fait, que je garde, c'est bien de garder des souvenirs, mais il faut que je laisse aller le passé, ça sert plus à rien. Il faut juste que je me base sur l'expérience que j'ai acquise, sur les forces, sur les talents que j'avais à l'époque, mais voilà. Et puis j'avais eu. Je sais plus. Quelle carte c'était? Bah, j'ai plus mes notes. Là, c'était celle avec le petit raton laveur. Et du coup, première constatation, j'étais tombée sur un billet de Marie Char qui parlait du totem. Et du coup, une illumination. Tout ce qui est chamanique, ça rentre dans ma vie, mais énormément. J'ai toujours eu un.
quand j'ai toujours eu un animal qui arrivait de façon imprévue à la maison ou dehors, et qui, le message qu'il me délivrait était à chaque fois juste. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus. Et puis, il disait, enfin, cette carte disait d'avoir des projets, de les garder pour soi. Et bien, figurez-vous qu'il y a des trucs qui me sont venus hier. Je les ai notés. Et je ne vous en parle pas du coup. Mais je vais les travailler. Et puis, une fois que ce sera prêt, ben voilà. Mais je pense que je suis sur la bonne voie et que j'ai peut-être trouvé ma voie. Qu'on verra bien. On verra si c'est ça ou pas, si mon guide renfonce le clou en me disant, voilà, ne doute pas. Et donc aujourd'hui, je vais faire pareil avec les cartes que j'ai eues. D'ailleurs, on en fait tomber deux, donc je les ai prises. Ouais, c'est celle justement de. C'est rigolo que je parle de ça dans la vidéo. C'était nos amis les dinosaures pour les métamorphes qui expliquent qu'il faut prendre tous les trésors du passé, se remémorer ses talents et renouer avec eux. Et c'est marrant parce que je repense à refaire du dessin, enfin plein plein de trucs où je me dis que je ne suis plus capable. Alors qu'en fait, si, c'est en moi, il suffit juste de tout reprendre. Et puis le phénix d'or qui parlait de renaître de ses cendres, et ça parle surtout au niveau divinatoire de reprendre l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, entre le spirituel et le physique, et donc de voir une harmonie entre le corps et l'esprit, de reprendre une activité physique, de mieux s'alimenter, et ça tombait exactement bien parce que j'ai été mise en plein de mon gros problème alimentaire, et je sais pas exactement pourquoi je le dévore comme ça. Faut que je trouve. Je crois en fait que je me fais une grosse carapace. Et en fait, faut vraiment que je laisse tomber ce masque, quoi. Donc, c'est fini. Ça sert plus à rien que je me cache. Faut pas que j'aie peur d'être plus mince. Enfin, je vous dis tout de suite, je vis bien. Le fait d'avoir été pure, mon dieu, de toute façon, je m'y suis fait. C'était une étape de ma vie. Et puis voilà. Je l'ai bien vécu. D'autant plus que j'ai jamais eu de jugement. Ça m'a permis en plus de mieux comprendre les personnes qui ont eu des problèmes et qui ont des problèmes de poids. C'est pas parce que c'est seulement parce qu'on mange beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas énormément, qui ont énormément de poids et c'est dû en fait à des soucis dans la psychologie. J'ai dû faire face à pas mal de remarques négatives. Voilà. Mais une fois que je suis passée au-dessus, je me suis rendu compte que les moments négatifs, soit je les entendais plus, soit j'en ai plus. Et puis après, ben, au fur et à mesure que je travaillais sur moi, j'ai remarqué que ben, je me délestais d'une charge à chaque fois. Donc, je pense qu'il faut que je continue dans ce sens-là, et puis ben, je retrouverai une forme. Et puis, je ne tends pas de toute façon à une perfection physique. Je veux juste me sentir bien. Voilà. C'est le principal, être bien dans son corps et dans sa tête. Sur ce, je vous fais des bisous. Et à ceux qui ont tendance à s'autoflageller parce que ils ont trop de poids ou autre, s'il vous plaît, faites pas comme moi, aimez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, sincèrement. Allez, bisous, bisous.